scapulaire, gage d'éternelle alliance et secours à la mort. Particulier.
fin au pouvoir de la justice. Il est mis au fer et bientôt condamné à mort. Qu'une longue suite de crimes avait bien mérité. La veille de juge de la joie du prisonnier. Alors le jeune homme lui demande d'abord de renoncer à la protection de la Sainte Vierge. Effrayé comme homme, le criminel s'écrie par une sorte d'habitude. Bienheureuse Vierge, secourez-moi. Bientôt le prétendu libérateur disparaît, laissant le condamné au désespoir. Marie toutefois lui avait obtenu le Il se confessa avec des sentiments de contrition et marcha au supplice courageusement. Le cortège passait devant une statue de la Sainte Vierge, placée au carrefour de plusieurs rues. Le malheureux sollicite la grâce de baiser de la statue. Il peut le toucher de ses bonnes dispositions, réclame un grand cri qu'on laisse approcher le coupable, se baissant pour embrasser les pieds de Marie.
s'inclina visiblement. Marie étendit le bras, prit la main du condamné, et aucun effort ne réussit à séparer le pécheur de sa bonne mère. La foule se mit aussitôt à crier: grâce, grâce, la Sainte Vierge demande grâce. La grâce fut accordée.